Et salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur Story of Gladiator, le jeu d'action, on incarne un gladiateur. On avait commencé presque totalement à Walp, bon là on est toujours à Walp, mais on a une épée, on a un bon bouclier, et on a surtout un casque. On va continuer à affronter tous les gladiateurs de l'Italie hein, qui vont venir ici à Rome pour nous affronter. C'est parti pour la suite de la campagne, on était au level 6 du coup, allons-y. Alors j'ai déjà testé le level 6, vous allez voir c'est assez galère, on a de nouveaux ennemis qui balance des lances. Donc voilà, il va falloir essayer de se débrouiller pour... Ça commence mal. Voilà, je me suis déjà pris une lance. Formidable. Hop. Faut essayer de se protéger, hein, bien entendu, comme d'habitude. Hop. Alors, non. Je suis stun. Ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'y crois mort. Très bien, c'est la première vague. Bon, on a perdu que 42 PV. Ça pouvait être pire. Alors, on a normalement une nouvelle compétence maintenant. On fait beaucoup plus de dégâts dans le dos des ennemis. Voilà, faut le savoir. Putain, il a réussi à me... Oh, meurs-toi. Ok. Ok. Non, non, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie. On se protège. Oh, toi. Oh, toi. Oh, merde. Oh, merde. Ok. On va essayer de tuer lui. Très bien. Il nous reste 33 PV. On va essayer, on va attendre un peu de récupérer de l'énergie. Oh, merde. Très bien. On va arriver dans son dos. Il nous reste 18 PV. On est à la dernière vague. Bon là ça va être le plus dur. Donc j'ai ma compétence, je peux stun les ennemis. Faut pas oublier. Oh là ils sont tellement. Oh non, il a réussi. J'avais le stun en plus. Oh là 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 là. Ok. Alors attention, on peut nous jeter des pics là. On va essayer d'aller le plus loin possible. Oh là, sérieusement, il a réussi à me toucher là. Ok, lui on l'a tué. C'est de buter l'autre en haut. Oh c'est chaud, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Allez, lui on le tue, excellent. On va buter lui. Très bien, on bute lui. Oh merde. Non. Je perds tellement de PV bêtement. Je garde mes pouvoirs. Lui on va le tuer. Oh merde. Il y a l'autre qui se ramène. Allez meurs toi. Allez meurs. Ok. Lui on va arriver derrière lui. Comment j'ai pu me prendre un coup? Oh là 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 là, il me reste 28 PV pour la dernière vague. Dommage. On s'était bien débrouillé au début, après on a fait un peu de merde. Il faut se protéger là. Ok, on les a stun. On va récupérer lui. Non! On va y arriver. Oh là, il y a tellement de monde. Ok, lui il est mort. Allez, on joue safe. Ok, lui il est mort. Vas-y, viens, allez, viens. Hop, lui, on va le tuer. Non! 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 Oh là là, mon dieu! Très bien. Allez, j'en ai tué pas mal. Non! Non! Je suis débile. Oh, je suis con. Oh, je suis giga con. Oh mon dieu. Il faut que j'attende, faut que je récupère après. Allez, on peut y arriver. Non! Oui! Ok, il en reste que deux. Allez, je peux les tuer. Oh oui! Oh mon dieu! Oui! Oh, t'es tellement heureux par contre quand tu réussis! Oh, t'es tellement heureux! Bon, ce qui est bien, c'est que là, ça va nous faire beaucoup de pièces d'or. Pourquoi? Parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois. Donc forcément, même en perdant, t'accumules les pièces d'or sur ce jeu. Donc là, on va pouvoir s'acheter de l'équipement et tout un tas de trucs. Oh, c'était clairement pas facile. Hein. C'était clairement pas facile. Alors, du coup, Weapon Armor. Combien on a d'argent? On a 1028 d'argent. Donc déjà, on peut se prendre une nouvelle armure. On va la mettre de couleur bleue. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Là, on commence vraiment à être équipé. Ça fait plaisir. Alors, je vais regarder ce qu'il y a d'autre avant de m'acheter une nouvelle épée. Ça, c'est quoi? C'est une amulette. Grand duo plus un skill point par level. Ah, ça donne d'autres bonus. Donc là, je gagne plus de gold. Donc là j'ai beaucoup plus d'énergie. Bon, je vais laisser ça pour l'instant. Hein. Et là on peut parler à cette nouvelle personne, le Butcher. Donc je peux manger de la nourriture avant d'aller à l'arène pour gagner du coup des bonus. D'accord, donc là ça me donne, par exemple, plus de dégâts. Elle a plus de vie. Bah tiens, on va prendre la vie. Voilà, donc là j'ai gagné plus 6% de vie pour le prochain combat, je pense. Pas pour tout le temps. Ça m'étonnerait.
Bon, il me reste 578, du coup, si je peux m'acheter une nouvelle arme, ça pourrait être cool. Donc là, ça coûte 300. Et l'arme en bas, elle coûte 460. Bon, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Ça coûte cher, mais voilà. Il nous reste 118 de thunes, donc là, je pense pas que je puisse acheter un nouveau bouclier. Non, le prochain coûte 240. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Combat training. Ah oui, ça, c'est pour gagner des points supplémentaires. Enfin, améliorer notre personnage, on connaît. Bah, c'est parti pour le level numéro 7. On a cette fois-ci moins de gladiateurs, il n'y en a que 13. Ok, allons-y. Bon, j'ai une nouvelle arme. J'ai un nouvel équipement. Ça devrait un peu mieux se passer. Et on a 190 PV, du coup, avec le bonus de nourriture. Oula. Ok, on se calme. On se calme, on se calme. Ah, c'est ceux-là, on les connaît. On les connaît, ceux-là. Merci pour l'argent. On a juste à passer derrière eux. Alors, juste, hein. Facile à dire, hein. Très bien. Bah, ils font hyper mal, hein. En un coup, j'ai perdu énormément de PV. Oh non! On a encore des mecs qui... Oh non, pas encore eux! Oh! Faut que je le tue, lui. Voilà, très bien. Oh oui! Oh merde! Pourquoi il est venu me faire chier, lui? L'enfoiré, j'étais sur son pote, il est venu me faire chier. Oh là 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 là! Ouais, 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 calmez-vous, ouais. Faut que je tue son pote. Vous avez vu comment il rush? Non, non, je suis stun. Tout va bien. Ok, lui il est mort. Ok. Franchement, on a juste perdu 70 PV. On est à la troisième vague. On va peut-être réussir. Alors là, par contre. Non, 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 qu'est-ce que je fais? Oh là là, mais j'ai fait le con là. Oh, j'ai. Non, j'ai fait le con. Allez, on les tue. Voilà, ça c'est bien. Un très bon enchaînement. Lui, il va me foncer dessus forcément. Oh oui! Merci. Merci le stun au même moment, ça fait plaisir. Et lui, on le termine. Ok. On est à la dernière vague. Il me reste beaucoup de PV, donc faut que j'en profite. Tiens. Eux, on va tuer les petits. Voilà. Attention, lui va me foncer dessus. Oh là là, ils sont. Mais ils restent en groupe en fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils restent toujours en groupe. Ah, oh, je peux. Attendez, je peux les stun. Ok, j'en ai tué un. Lui, on va le tuer. Aussi. Lui aussi. Oui. Et on va tuer le dernier. J'ai pas intérêt de mourir contre le dernier. Allez, meurs. Oui. Oui. Excellent. Et on a 3 étoiles. Et c'est la première fois qu'on réussit à avoir 3 étoiles. La première fois. Yes. Encore. Là, tu sens que le level, il commence à augmenter et que ça commence réellement à devenir très compliqué. Hein. Excellent. Bon, on a gagné du coup un point supplémentaire à mettre quelque part. Alors, je vais surtout pas débloquer de nouvelles compétences parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, le blocage, je l'utilise pas énormément. Donc là, j'augmente ma force. Ici, je peux décapiter les ennemis. Oh, j'ai trop envie de tenter ça, en fait. ça me donne quand même envie. Donc à la place d'appuyer sur A, pour le pouvoir, cette fois-ci, c'est X. Et je vais tenter ça. Allez, la décapitation. Ça peut être très drôle à voir aussi. Donc je vais m'acheter un nouveau bouclier. On va se prendre ce nouveau bouclier-là. Et bah tiens, on va s'acheter carrément le troisième. Et là, on a du bouclier. Là, on a du beau bouclier. Il est grand, il est beau. Attendez, c'est le tigre qui a fait ce bruit-là? On va essayer de décapiter du coup quelques gladiateurs pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça augmente nos dégâts quand on les décapite. Oh là, il y a 4 vagues. Oh mais laisse-moi tranquille, toi. Mais il me stun en même temps? Oh! La décapitation. Il faut faire ça à la fin, du coup. Quand il ne reste plus beaucoup de vie. Ok, j'ai compris un peu la technique. Or toi viens là, toi, s'il te plaît. C'est bon, j'arrache des têtes. Je suis content. Bon, j'ai déjà perdu beaucoup trop de PV. Oh là, on a encore de nouveaux gladiateurs. Tiens, la décapitation. Non, je suis stun. Ça va le faire. Oh là là, c'est propre. En vrai, on se débrouille bien là. Hein, on se débrouille bien. Ça nous donne énormément de. Oh, le stun. Ok, j'ai voulu le décapiter, j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont nuls. Ils se cachent.
Et hop, encore une décapitation. Ça nous donne énormément de points bonus en bas à gauche. On les a tellement enchaînés. Merde. Ok. On va les stun. On en profite. Non. Bouge. Putain, on se débrouille tellement bien. Je suis grave étonné là de mon niveau. Oh là, mais on se débrouille tellement bien. J'ai pas intérêt de me louper à la dernière vague. Hein. On a tellement bien joué que... C'est qui lui? C'est un boss. Oh merde, c'est un boss. Attention! Je sais pas ce qu'il fait, mais je me casse. Vas-y, viens là. Oh merde, non, je suis stun! Quel débile. Oui! Et on a décapité le boss! On l'a décapité de toute notre force! On lui a arraché sa tête! Oh, j'ai tellement bien géré ce level, je suis trop fier de moi. C'était super sympa. Bon, en vrai, le boss n'était pas vraiment un boss, hein, j'ai l'impression. En tout cas, il était pas très fort. Ok. Pourquoi ils nous disent d'aller voir... Ouais, c'est les amulettes, mais ça, on connaît déjà. Bon, là, on a pas encore assez d'argent. On va garder notre argent. On a 400. Let's go pour le prochain level. Alors, je sais pas si on aura le temps d'arriver jusqu'au level 12. Le dernier level, ça m'étonnerait. Ouais, je pense pas. C'est parti pour le level 9. On y va. Il y a 3 vagues. Oula. Je te décapite, moi. Non? Il se protège aussi, c'est un peu plus compliqué. Ouais, il était tout seul. Hop. Merde. A chaque fois, je me fais avoir avec ça. Faut vraiment que je fasse attention à mon énergie. Ok. Oula, oh d'accord. Si vous faites que ça, bah, si vous voulez, hein, si vous voulez me faire tomber, y a pas de problème. Bah, allez-y, hein, faites-moi tomber, y a pas de souci. Y a pas d'autres ennemis, donc j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps pour vous casser la gueule. Ah d'accord, ok. Il joue avec mon corps quand même. Voilà, toi t'as plus de tête, mon gars. Ça c'est pareil, ta tête, je vais la décapiter. En même temps, je vais pas décapiter autre chose. Et boum, encore une décapitation réussie. On arrive au dernier. Au dernier. Oh là là, il y a du monde. Ok, je sais pas ce que je fais, Il y a trop de monde. J'ai fait de la merde. Normalement, ce level-là, on va le réussir facilement. Là, j'ai juste fait de la merde. Oh là là, ça va être chaud. Ok, 45 PV, il en reste quoi? Il en reste pas mal à tuer en plus. Ok, il nous en reste 2 à tuer. Merde. Mais non! Ok, il nous en reste 1 à tuer. Est-ce que j'ai le stun? J'ai pas le stun. Ah, fais chier. Non. Et laissez-moi le tuer. Si on tue lui, c'est bon. Ok, c'est bon, on a gagné. Ils peuvent plus nous tuer, hein. Eux, à part mettre des coups de bouclier, ils font pas grand chose. Hein. Ils sont un peu mauvais. Allez, c'est bon, maintenant je vous. Non, mais laissez-moi. C'est bon, mais non, mais arrêtez. Arrêtez. Vous servez à rien. Putain, mais j'y crois pas. Ils nous emmerdent. Oh, ils nous emmerdent. Vous allez mourir de toute façon. Donc, à quoi bon lutter? Quoi qu'il arrive, vous êtes mort. En vrai, j'essaye jamais de me protéger contre eux, mais hein, ça sert à rien de se protéger. Hein. Ils arrivent quand même à nous dégommer. Voilà. Ah, il faut sauter sur eux pour les tuer. Faut faire la technique du saut. Wouh! Très bien. Bon, ça va. Je trouve ça assez simple. Et on a gagné un level en plus. Les mecs au bouclier, voilà, c'est assez facile. Alors, un level supplémentaire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on augmente la technique de saut? On peut augmenter les dégâts dans le dos, en vrai. Tiens, je vais augmenter les dégâts dans l'eau. Ça, c'est très bien. Alors ici, il dit qu'il y a une quête, mais en fait, il n'y a jamais rien. On a 925 d'argent. Est-ce qu'on peut pas s'acheter une nouvelle arme? Non, une nouvelle armure, tiens. Combien ça coûte, les nouvelles armures? On est en armure à 830, Metal Armor. Eh ben écoutez, on va prendre ça.
Voilà, là on est beau. On est très très beau. Oh, c'est quoi, c'est des bourreux? Putain, on les a dégommés en tout cas, hein. On a 230 points de vie. Oh merde, 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 merde. Alors, quelle idée d'utiliser toutes mes compétences bêtement comme ça. Je fais n'importe quoi. J'aurais dû les tuer tellement facilement. Voilà, j'ai perdu je sais pas combien de PV. Merci pour la laitue. Et la dernière vague. Oulala, oulala, oulala. C'est qui eux? Je les connais pas. Ok, bon, c'est le premier essai. J'ai perdu des points de vie bêtement. On recule, on recule. Oui! Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, ce que je viens de faire. Le double kill comme ça. On a des PV par terre. Je vais en récupérer rapidement. Oh là là, faut peut-être que j'essaie de le tuer en premier. On va le stun. Oui! On a décapité le chef. Et là, je pense que du coup, ça nous permet... Oh non, 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 non! On recule, on recule, on recule. On va prendre notre temps. On a tué le chef. On peut prendre notre temps. C'est un de se presser. Voilà, on se presse pas. Hop, lui on le bute. Ah, s'il veut bien. Voilà, merci. J'aime pas, il se protège. Il se protège tellement bien. Oui, oh oui, le stun. Oh, le stun au bon moment. Parfait, ça. Hop. Allez, meurs. Yes. Les 120 dégâts, il en reste un. Ah, je peux pas le louper, lui. Hein. Oui. Eh ben, écoutez, je vous propose. On va quand même essayer d'aller jusqu'au dernier level. Parce que là, on enchaîne bien. Je suis assez content de mon level. On enchaîne très bien. On continue. Allez, on part pour le level 11. Et après, on aura le level 12. Qui est le dernier boss. Let's go. 31 gladiateurs. Attendez, il y a 4 vagues, 31 gladiateurs. Très bien. Eh ben écoutez, allons-y. Ça me semble tout à fait incroyable. Ok, c'est des petits ennemis. Mais bon, ils sont beaucoup, donc c'est un peu chiant. On recule. Vas-y, vas-y, venez, venez, venez. J'ai pas peur de vous. Allez, on a du petit ennemi. On fait ça tranquillou. Chacun son tour. Voilà, on décapite tout ça. Voilà. Le prochain. Oh, ils sont vraiment faciles à tuer. Hein. Ça, c'est clairement les premiers ennemis. Et rien de plus simple. Et en plus, on gagne beaucoup de bonus. Ça, c'est excellent. On a toute notre vie. Non, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas faire ça, en fait, au début. Très bien. Oulala, là, 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 il y a du monde. Oh là là, il y a du monde. Oh non, pas eux. Ok. Alors franchement, le bonus nous a bien aidé. Hein. Hop. Hop. Pourquoi je repasse devant lui, on ne sait pas. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, d'accord. À des moments, j'en fais des conneries. Hein. Hop. Ok, c'est parti pour la troisième vague. On n'a plus notre bonus, par contre. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, merci. Bon, il n'y a que des mecs au bouclier. Les mecs au bouclier, on les laisse. Faut tuer d'abord ceux-là. Une fois qu'on aura tué ceux-là, on sera plutôt bien. Bon, cette vague va être très simple. Hop. Et voilà, et maintenant, il reste que les mecs au bouclier. Donc, on va se les faire tranquillement. Ils valent vraiment rien du tout. Ah mais eux ils se protègent juste. Ah c'est même pas eux qui nous font tomber. Ah non, eux ils nous font même pas tomber. Ah ouais, easy. Ok, on est à la dernière vague. Allez, on peut pas se louper. Enfin si, on peut se louper, mais on va essayer de pas se louper. Oh non, on a ceux-là maintenant. Ok, lui il est mort. Oh mais ça va du coup, je m'attendais à pire. On a que ça comme ennemi. Ah bah ça va. Alors par contre là je peux mourir hein. Quand même essayer de... Voilà. Oh mais ça va. Oh là, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué. Et en fait on les a carrément gérés. Et c'est les 3 étoiles. C'est les 3 étoiles. Et on arrive au
dernier level de cette campagne. Alors, qui n'est pas le dernier level du jeu, puisqu'après, on a encore d'autres univers à découvrir. Là, on reste en Grèce. Let's go! Oulala, là là. Ah oui, d'accord. Ah, mais attends! Mais. Non, mais attends! Bah, je vais pas essayer de me protéger, je vais juste essayer de passer derrière lui. Ah, mais en fait, ça va, c'est juste que j'ai mal joué. Oh là, il me course. Ok, ok. Hop! Oh, mais merde! Ok, là, on se bat. Ah, mais en plus, il y a des ennemis! Ah bah super, bah je vais jamais y arriver. S'il y a des ennemis en plus Très bien. Alors j'ai des items, je sais pas du tout les utiliser du coup. Bon, on lui a enlevé un tiers de sa vie. Allez vas-y, viens, je t'attends. Ah il est là. On va passer derrière lui. Là on recule. On tue les ennemis. Donc à chaque fois qu'on lui enlève un tiers de sa vie, il appelle des renforts forcément. Il peut pas se battre tout seul hein. De base, on était censé faire du 1v1, hein, je te rappelle. Hein. Tricheur. Quel tricheur. Ok. Hop. Ok, on se barre. Oh, ça va, il est pas si difficile. Non. Oh non mais je perds des points de vie bêtement. Oh là là, je suis nul. Oh mais je suis nul. Oh là là, il m'a mis un coup d'épée en plus dans le dos. Oh, vous avez vu tous les points de vie que je lui ai enlevé? Ah, du coup il a fait pop deux vagues en même temps? Non, quand même pas. Ah oui si, il y a les deux vagues. Il y a deux vagues qui a pop en même temps du coup. Oh, je suis trop fort. Ça se dire que je suis trop fort. Attention, laisse-moi tranquille. Oh mon dieu. On recule. Toi t'es mort. On se débrouille plutôt bien. Oh mon dieu. Oh il m'a tellement... Allez viens, vas-y. Montre-toi. Allez montre-toi, vas-y viens. Allez viens, vas-y, viens. Ok j'ai pas peur. Hop. Ah mais forcément il essaie de m'attaquer dans le dos lui. Allez vas-y, énerve-toi. J'ai pas peur. On l'a touché, vas-y reviens. Complètement raté. Oh non, je suis épuisé à ce moment là. Oh là mon dieu. Il nous fait des roulades lui aussi hein. Ok j'ai touché. Ah c'est dommage, hein. On y arrive presque hein. Vous avez vu? C'est carrément possible. Ok, on reste en haut. Ouais, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. On recule. Oh, je vais être stun. Je suis pas mort. Ok, lui on le tue. Lui on peut le tuer. Il reste pas grand monde là. Oh merde. Je l'ai pas touché. Allez, reviens. Allez, il reste plus beaucoup de PV. Allez, ça va le faire cette fois-ci, ça va le faire. Oui! Enfin! On l'a eu! Bon, c'était pas si difficile que ça, mais on l'a eu quand même! Et voilà, on a vaincu du coup le dernier boss de cette campagne, hein, de la Grèce. Et je suis victorieux avec la tête! La tête en bronze, puisque le mec était recouvert d'une peinture, on aurait dit une statue en bronze. Bah écoutez, voilà pour cette nouvelle vidéo. Elle a duré très longtemps pour moi. Alors pour vous il y aura énormément de coupures, mais moi ça fait à peu près 50 minutes, 1 heure de tournage. Donc je ferai pas mal de coupures pour éviter que ce soit trop chiant pour vous. Mais j'ai bien galéré. Donc si on refait une vidéo sur le jeu, la prochaine fois ce sera en Afrique. Donc avec des décors je pense totalement différents. On se dit bien entendu à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à tous d'avoir regardé. Portez-vous bien, salut.